Même si Ezaya Mbongo na biso moko totongisi, mais ça nous rapporte quoi déjà derrière? Parce qu'il faudrait dans la zone moko où koko koti ça peut Mbongo na sima, c'est-à-dire ça va faire fonctionner, ça va rapporter encore capital autotech et kobima li sousou. Je vous prends l'exemple de Tournambimba. Demandez aux Congolais qui travaillent, si Tournambimba, l'entretien là, c'est les Congolais qui le font. Deux fois, ils vont prendre les frères et les sœurs de la RDC pour venir faire l'entretien de la Tournambimba. Parce qu'il faut prendre des, je ne sais pas, les technologues, il faut prendre je ne sais pas quoi, ils doivent vérifier des ventilos qui doivent arriérer, c'est-à-dire qui doivent faire. Dégager l'air, il y a quatre bimane, il y a des côtes en quatre pour que meubles soient toujours solides. Ils doivent avoir des contrôles comme ça. Mais si vous me tournez et bisous à Congolais, la tour est en grève. Ah bon, Arsène Virus? On me dit sur TikTok la tour est en grève. Ah bon? Vous imaginez? Suivi rien. Les infrastructures, les infrastructures, les infrastructures, Badiara. Les infrastructures Badiara. Bozo tu es bloqué à Bongo. Bozo même na courant pia malonga te o ko alimenter bo Bongo telema. Vous voyez un peu dépense sur dépense. C'est-à-dire nenge tourne mbembe za la kana na ba tour jumelle au bout de côté wana côté ya mai. Parce que zone na zone na mai. Ceux qui va contrôler la biezate jour et couvert au dipa malikola ba. Jour et couvert koya parce qu'il faudrait zanana suivi mon cordonné. Suivi là, ça demande de l'argent. Suivi là, ça demande de l'argent. Voilà. Nous allons finir. Et puis, je prends les demandes parce que j'avais vu quelqu'un vous envoyer la demande. Le mal alpha, bonsoir. On va prendre. Et puis, on va prendre les demandes là. On va finir par l'affaire du Rwanda. Je vous ai dit, chers amis. Continuons à mettre la pression. Là, on commence à voir un peu clair. Quand je dis, on commence à voir un peu clair sur cette affaire du Rwanda. Le gouvernement rwandais est venu voir Papi Denis Sassou Nguesso. Moi, je vous ai dit, Papi Denis, parfois, il a signé des trucs tellement qu'il est fatigué, il est déjà vieux. Il n'a pas lu les 15 accords, mes chers amis. Il ne sait pas les accords, Missus et Lobby, Nini. C'est à que non, c'est pour placer Kiki. Oui, mais il n'a pas le temps. Mais quand bah, on va dans les réseaux sociaux, il y a dû expliquer à Yopé, le mal alpha il a expliqué à yo. Papi a zo vanda, a zo comprendre bisomment on a pas vidéo Mickey 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 le non 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 non. Convoquez-moi ces gens-là. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut déjà vous étouffer les cambous. Vous vous sentir puissant si les réseaux sociaux n'ont pas ça. Hein? Est-ce que vous sentir parce que même pourquoi bah tu vas c'est quand même interview en Ghana na mabiala. Chers amis, ça a contribué ou pas? Ça a contribué ou pas? Parce que c'est lui qui est l'auteur. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui est censé signer les titres fonciers, n'est-ce pas? J'ai appelé. Je vous ai dit que notre Tia Bangoum bombe dans ma boque. On a eu le ministre Mabiala qui a bien répondu d'ailleurs. On a appelé l'ambassade. On a confronté l'ambassade avec ce que le ministre Mabiala a dit. Avec ce qui se... ce qui est posté sur leur site de l'ambassade, n'est-ce pas? Merci, Jusli Dubois. Aujourd'hui, ils étaient obligés de venir dire le gouvernement rwandais que non, s'il faudrait accompagner cela pour expliquer aux Congolais que le gouvernement n'a pas vendu une partie de terre ou il a cédé une partie de terre, mais même ce gouvernement rwandais est en contradiction totale avec leur journal officiel. Pour vous dire combien de fois c'est du flou, c'est du faux. C'est comme Télé Congo. Imaginez-vous Télé Congo, papa Mokondi Akeboui. Papa Mokondi Akeboui. Maintenant, vous trouvez un abango. Bon, le babi, nous avons la Télé Congo, la bino, vous mettez dans le papa Mokondi Akeboui, mon bembo, il a accueilli la Russie, il a accueilli comme ça, il a accord avec le Shunga Congo. Bino, vous avez un téléphone, bino, vous avez un radio, vous avez un télé, vous avez un papa Mokondi, bisoto. Bon, Django, utilisez ça. Mais pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ça ne passe pas et les canaux Télé Congo? Ils peuvent bien communiquer sur Télé Congo, n'est-ce pas? Puisque ce sont des agents de la télé et de la radio, n'est-ce pas?
qu'ils utilisent les mêmes canaux pour communiquer qu'ils ont des impayés. Mais pourquoi ils ne vont pas le faire? Pourquoi ils ne le font pas? Et comme ma vidéo, moi, vite, vite, ma chaîne, mes sous, vite, vite. Non, utilisez le même canal. Vous utilisez le crier dans le Congolais. Vous salez la apologie dans le Congolais. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, au fond d'eux, ces agents-là, ils savent que Mbourbe qui va monter au Congolais, qu'ils sont dans le faux. Ils le savent. Qu'ils sont dans le faux. Même ce qu'ils disent là, c'est parce qu'ils sont sous ordre. Parce que s'ils ne sont pas sous ordre, ils vont utiliser un appareil, leur machine pour parler. Ils n'ont pas utilisé. Et les gars, télé congolais. Hein? Ah, Chandrel, Ozotuna, quel est le rôle du ministre de lutte contre la corruption? Il y a mon gars corrompu. Il a lutté contre la corruption. C'est même qui le ministre en question. Dessin, Babat. Moi-même, je ne sais pas, mon cher. Moi-même, le Congo a trop des ministres. Exactement, Hussein. Tous sont des corrompus. Donc, là, nous allons écouter le gouvernement rwandais. Depuis tout ce temps-là. Donc, moi, je vous dis, ils suivent les réseaux sociaux. TikTok, mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur, vérification. TikTok, mettez le cœur là-bas. Ils suivent des réseaux sociaux. Ils suivent des réseaux sociaux parce qu'ils ont dit, oh, tout ce qui s'est dit ces derniers mois, ici et là, ils n'arrivent même pas à dire réseaux sociaux. Ouais. Ici et là, tout et tout, c'est pour déstabiliser, comment on appelle, l'objectif, je ne sais pas quoi, de la construction de M. Denis Sassou Nguesso. Oh là là, oh là 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 là. Oh, des voyous. Donc, depuis tout ce temps-là, eux, ils ne savent pas déjà, avant de mettre un projet, ce genre de projet, avant d'entamer, de commencer ce genre de projet, il faut d'abord communiquer. Pourquoi on fait la première pierre d'abord? Avant même de mettre la première pierre, vous allez voir, vous allez constater, chez nous en Afrique, Brenda, bonsoir, bonsoir, Vin, un call. Vous allez constater, chez nous en Afrique, on fait quoi? Avant même de mettre la première pierre, les gens vont aller négocier, les gens vont aller parler avec des chefs de village. Les gens vont aller parler avec des riverains, les gens vont, ils vont aller récolter un peu des informations. Est-ce que pour faire ceci, est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui étaient décédés là? Est-ce que les gens, il n'y avait pas eu d'abord la guerre dans ce milieu-là? Connaître d'abord l'histoire, le fond. Chez nous en Afrique, moi je sais que ça se passe souvent comme ça. Vous allez voir même à un niveau, il arrive que on envoie certaines personnes, certains cadres coutumier d'aller parler avec des aïeux, c'est-à-dire avec des ancêtres, d'aller demander la route à ceux-là qui ont vécu dans ce village ou qui ont vécu dans ce lieu. Parce que c'est ça, au fait, quand on met la première pierre, c'est ça. On demande la route, on demande la permission. Voilà, chez nous, aussi, il y a le vin de palme, on verse le vin de palme ou le vin rouge. On le verse, c'est pour demander, c'est ça. Maintenant, vous les Rwandais, vous venez seulement comme ça, guingongui, vous négociez avec le ministre, je ne sais pas, Kiki Christelle, vous décidez, non, tel coin, on va prendre tel coin, on va construire tel coin, on va ramener les piments, on en a quoi foutre? On n'en veut pas. On n'en veut pas. Tatardos Masomba, bonsoir. Oh non, Tolingi Angote, oh non, veut pas. Voilà pourquoi je vous ai dit, chers amis, vous qui êtes à l'étranger, vous allez comprendre que non, c'est un pouvoir que vous avez, que nous avons. Appelez les ambassades du Rwanda qui se trouvent dans les pays respectifs, là où vous êtes. Appelez-les, dites-leur que non, je suis de Congo Brazzaville. Nous ne voulons pas de. Les Rwandais peuvent venir vivre chez nous, mais pas de contrat avec des Rwandais. Voilà. Oh Nungu, voilà, tu carries Nungu, so tu carries quoi? Tu boy n'a biso mamba pilipili. Faites ça, chers amis, vous allez voir que ça va remonter, ça va remonter, ça va continuer à remonter. Ça va continuer à remonter. Et j'aimerais dire à ceux-là, des riverains, des ressortissants de ces départements qu'on veut vendre chez les Rwandais, s'il faut aller plus fort, allez-y plus fort.
Bon, comprendre ndenge na zoloba. Soki il faut que kende na ndenge ya makasi. Ya ndenge penza que wande moko atika la wana ya libela ba kunda e mobimba. Bo sala yango. Ezali kamba mabele. Biso ba kongole to kende kota ba ninga ba mboka ba ninga te. To ya koloba na bango to yi konzo mabele. Hein? To sala kango te. Non, non, non. Même gouvernement na biso na. Même si ba na bango ba voyou. Jamais to yoka ba ko somba. Ma belle pour na ba combo ba kongole. Ba somba ba na bango moko. Voilà. Donc bino moto o bozana ma belle. Bozana ba zone. O yo kote ba rwanda na ba zone nga kuya ko tia o no ba kunda pili pili. Chers amis, bo yo kanga ba ndeko na ngai. Soit ki rwanda ko tu wana, abandi ko sala ka bilanga pa. O kunda pili pili pa. Il faut moko na ye bo kunda yo wana. Il faut moko wana atika la wana que gouvernement ba ah! To boy ba problème diplomatique. Boyebi. Pona nini baninga misusu babanga kabangu. Pona nini bandibu babanga kabangu. Parce que ezana biloko o banzima ka ba simba na bomo ina bango te za mboka na bango. Eza mama na bango, eza papa na bango et puis ezali nzambe bango basambelaka. Biso to zana ba religion différente to boyité. Mais likambo mabele ezali nzambe na biso tout, c'est-à-dire ezali eloko o ezo relayer biso tout place au ben moko. Bozo comprendre chers amis, ezali eloko oyo ozana besoin zala moteke mokongote biso tout lilobase moko. Donc bino o bozana étranger bo aider ya kubenga totia nini ya Rwanda. Mon ami tu ne sais comment mon ami balewa. Comment tu vas foncer? Les gens qui va Rwanda va comme ils bima parce que va sentir qu'ils va congolais tokoti kabango le temps te va s'installer dans Bokana Piso. Louvounou. Bako si se koko sa. Bako s'installe te. Je m'aimerais dire en français, on n'a pas un problème avec les Rwandais. Les Rwandais peuvent vivre au Congo. D'ailleurs, il y en a, je ne sais pas, c'est les, comment on appelle, c'est les Hutus qui sont à Kintele, n'est-ce pas? C'est les Hutus, n'est-ce pas? Maintenant, ceux qui sont au pouvoir, c'est les Tutsis, n'est-ce pas? Maintenant, les deux là vont venir sur notre terrain, chers amis. Ils viendront faire leur guerre sur notre terrain. Parce que les deux ethnies-là, n'est-ce pas? C'est ça, non, le libérateur? Ceux qui sont à Diri, ce sont les Hutus, n'est-ce pas? Adjem. Ceux qui sont à Kintele, ce sont les Hutus. Exactement. Donc, ceux qui sont à Kintele, ce sont les Hutus. Ceux qui sont au pouvoir, ce sont les Tutsis. Les deux, ils ne s'entendent pas. Il y a eu génocide, n'est-ce pas? Les Hutus ont quitté le Rwanda, se sont réfugiés au Congo. Merci, Dan Maron. Ils se sont réfugiés au Congo, n'est-ce pas? On leur a donné nos terres. On leur a donné les espaces. C'est pour dire qu'on n'a pas un problème avec des étrangers. Nous ne sommes pas xénophobes. Nous ne sommes pas xénophobes. On les a donné nos terres. Il y en a ceux-mêmes qui font le commerce depuis qu'ils sont là, les Rwandais. On n'a pas un problème avec eux. Depuis leur génocide, je ne sais pas quelle année, jusqu'à présent, ils sont là-bas, ils vivent tranquillement, ils font les affaires. Merci pour le cadeau, le mâle alpha, merci. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas un problème avec eux. Maintenant, les autres qui ne s'entendent pas avec ceux qui sont déjà sur les territoires veulent venir acheter nos terres pour vivre chez nous, tandis que les deux, ils ne s'entendent pas, ils vont faire quoi? Ils vont nous mettre dans l'insécurité. Déjà, les bébés noirs, on a eu déjà du mal, chers amis. N'oubliez pas ça. Hein. Les bébés noirs, ce n'est pas un phénomène des Congolais de Brazzaville. Je n'aimerais pas inciter les gens ou quoi que ce soit. Moukis, Mbiri, bonsoir. C'est moi. Mais j'aimerais répéter quand même. La violence des bébés noirs, ce n'est pas, ça ne vient pas de nous. Hein. Quand je dis les bébés noirs, la façon dont ils opèrent, ça ne vient pas du Congo Brazzaville. Nous, on avait des bandits, on avait des délimes à l'époque. On avait des chiens méchants à l'époque. On avait nos voyous à nous aussi à l'époque. Mais ce n'était pas de cette façon, de cette manière. Est-ce que vous comprenez? Mais les bébés noirs, quand ils sont rentrés, on a eu du mal. Et on a encore du mal jusqu'à présent.
Oui, ils sont encore là. On a encore du mal. Donc, mélanger encore les Hutus, les Tutsis qui vont se battre sur notre territoire, chers amis. On n'en veut pas. Ton lignité, ton kariri, ton boyi, ton betomemanga. Baloba bongo. On dit ça, on dit comme ça, tu vois. Betomemanga. Tout manga, tout mangi na biso. Hein? Le camer Link, il me dit, on avait aussi des failles, mon amas du plateau. Ah bon? Ah, ça, c'est bien. Bon, là, on va suivre maintenant. Vous allez écouter. Et puis, les gens, vous pouvez envoyer déjà vos demandes hein, pour intervenir. Sinon, après, je vais couper direct. On va commencer. Betome manga mambuyayi ninga. Tu as regardé, mais tu n'as pas commenté. Banda, yes. Voilà. Yuma. Hop. Voilà. On va écouter. C'était relatif à une polémique malheureuse qu'on a entendue ces derniers mois sur l'accord partenariat économique entre le Rwanda et le Congo, surtout sur une prétendue cession de partie du territoire congolais au Rwanda. Et donc nous sommes venus ici réaffirmer que cette polémique malheureuse n'a pas lieu d'être puisque la République du Congo n'a pas cédé la moindre portion du territoire congolais au Rwanda et n'a vendu la moindre terre, n'a donné la moindre terre au Rwanda. Il y a simplement eu des accords de partenariat économique où des entreprises rwandaises sont venues explorer des opportunités d'investissement dans le domaine agricole, comme des entreprises congolaises pourraient aussi venir au Rwanda explorer les mêmes opportunités d'investissement dans le domaine agricole. J'ai dit à Son Excellence, Monsieur le Président, qu'il s'agit bien entendu d'une polémique qui a été créée, entretenue par des groupes politiques pour s'en Oh, prendre au oh, Président, à ses réalisations et gouvernement, oh là mais que nous, gouvernement rwandais, nous sommes prêts vraiment à faire cette pédagogie pour expliquer la nature exacte de nos accords, qui sont en fait des accords gagnant-gagnant. Toboinabiso, mamba Tout à fait. pédagogie Deuxième point, exaté. c'était relatif à une polémique Pédagogie, on malheureuse n'en qu'on a a pas entendue ces besoin. derniers mois C'est clair. sur l'accord partenariat économique entre le Rwanda C'est et le clair, on n'a Congo, pas besoin de la surtout sur une pédagogie. prétendue cession On n'en veut pas de partie du d'olignité. territoire congolais au Vous nous Rwanda. avez montré déjà Donc nous avec nos sommes frères venus et sœurs ici de la réaffirmer RDC. que cette polémique malheureuse n'a pas lieu d'être puisque la République du Congo n'a pas cédé la moindre portion du Toboinabiso. territoire congolais au Rwanda Est-ce que vous et comprenez n'a ça? vendu la moindre terre, n'a donné la moindre terre. Tolobi, Toboinabiso. Je vais lire ce que le ministre Mirassa a écrit, vite fait, chers amis. Mensonge de l'État. Les fameux accords avec. Ceux qui veulent envoyer la demande pour intervenir, vous pouvez envoyer, hein, parce que dès que je finis là, je coupe pas. Merci. Mensonge d'État. Les fameux accords avec le Rwanda. Mensonge d'État. Au sorti d'une audience qui lui a été accordée par le président de la République, le ministre rwandais des Affaires étrangères et la coopération internationale a intervenu de façon malheureusement sur la polémique créée, entretenue, selon lui, par des groupes politiques congolais pour s'attaquer au président de la République et à ses réalisations. D'entrée de jeu, nous disons que
Les Congolais connaissent le bilan du pouvoir de Brazzaville et n'ont pas besoin d'attendre l'agenda caché de la coopération entre le Rwanda et le Congo pour le faire. Concernant le problème des terres, on peut dire qu'il s'agit là d'un mensonge d'État. Ce qu'il faut retenir, c'est que les manigances des gouvernants rwandais et congolais sont mises à nu. Il faut signaler que, premièrement, l'accord controversé entre le Royaume-Uni et le Rwanda est mort avant la mise en application par les travailleurs après leur écrasante victoire aux législatives. Deuxièmement, le ministre rwandais croit pouvoir semer la confusion. Petit A, en désavouant l'ambassadeur rwandais, donc c'est ce que je disais, parce que sur le site, c'est l'ambassadeur rwandais qui allait vers le ministre des Affaires foncières du Congo, qui est ministre Mabiala, Pierre Mabiala, pour demander les titres fonciers. Donc là même encore, ils sont en contradiction totale. C'est-à-dire, donc ce que l'ambassadeur dit, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, gouvernement Moko, donc il y a pagaille. Et maintenant, nous, on va collaborer quoi avec eux? On va traiter quoi avec eux? Ils sont déjà incohérents. Qu'est-ce qu'on va discuter avec le Rwanda? On n'a rien à discuter avec le Rwanda. Il n'y a pas les accords. Voilà, s'ils veulent, ils veulent venir faire le tourisme, qu'ils viennent. Qu'est-ce qui prouve que ce qu'il dit est vrai? Ces accords ne rassurent pas. Exactement, rien n'est rassurant. C'est-à-dire, regardez déjà, chers amis, je ne vais pas tout lire même. Hein, ce que, merci au ministre, comment il s'appelle, Clément Mirassa. C'est-à-dire, un gouvernement tellement incohérent, ils mettent Pascal Bouillou, bonsoir. Un gouvernement qui est déjà incohérent, un gouvernement, c'est-à-dire un peuple sanguinaire, désolé du mot. Mais Bazabatabakila, on le voit déjà avec la RDC. Incohérent, sanguinaire. On va discuter quoi? Déjà, ils savaient que déjà que non, en faisant cela avec le Congo-Brazzaville, la RDC peut susciter la colère contre le Congo-Brazzaville. Ils peuvent nous mettre encore dans des problèmes aussi avec la RDC. Ce genre de conflit. Est-ce que vous voyez? Au lieu de venir avec des vrais accords, pourquoi jusqu'à présent ils sont incapables de mettre ces accords en public, à la place publique? Parce qu'ils savent qu'ils sont dans le faux. RJ, le philosophe. Gouvernement Oyo Bazo Sakanana Biso Fort. Mais grave! Grave! Ouais, c'est mon bonsoir. Mais grave! C'est-à-dire, leur ambassadeur, à tout petit tôt, il allait voir notre ministre. Mabiala, ah, je suis venu prendre les titres fonciers. Il faut que tu donnes les titres fonciers. Tout, tout, tout. Là, quand je sors là, titres fonciers, ce que ils ont pris ça pour démontrer aux Congolais que non. Les titres fonciers, il faut que tu donnes parce qu'on a acheté les terres. Ils ont pris la photo là où ils se sont salués. Ils ont publié sur leur page, dans leur page. C'est-à-dire, c'est pas un truc, un site, non. Page de l'ambassade. On va rentrer, on va voir. Maintenant, le menteur de ce ministre, qu'est-ce qu'il dit? On n'a pas cédé, on n'a pas vendu, il n'y a pas scission, il n'y a rien. Non, le Vounou. Le Vounou. Miyibi. Tolingité. C'est tout. Je vais faire devant vous, vous allez voir. On va faire ensemble. On va faire ensemble. On va faire ensemble. Je vais aller sur Google ensemble avec vous. Le Vounou. Je vous ai dit, ils suivent les réseaux sociaux. Donc pendant un mois, ils ont suivi comment les Congolais sont montés au créneau pour dénoncer cela. Ils sont conscients. Hein? On va taper là. Ambassade du Rwanda. Congo-Brazzaville. Ça y est là. Je fais avec vous en ligne là. N'est-ce pas? Ça y est là. Le Vounou. N'est-ce pas? On est sur le site. Hein? Site ambassade là-bas, comment? C'est-à-dire, bah, flatteur. Ils ont mis la photo
de papy, pour n'avoir quitté moi, mon thème m'a signé ma contrat à Bangou. Là, on est bien là, regardez, hein, ambassade du Rwanda, en République du Congo. Ça, c'est leur numéro. Ceux de Brazza, vous pouvez aussi appeler, hein, ceux de Brazza, regardez. Dès que vous tapez, vous avez le numéro, vous avez les adresses e-mail. Vous pouvez aussi écrire, hein, chers amis. Bon, c'est là-bas, ça, la carte, tout pour Nabino. Hein, les crédits que vous avez là, c'est juste pour aller voir les challenges à Banaba Sibazo Bina. Hein? Oh là là. Regardez, là on est dans le site hein, de l'ambassade. On va aller. Vous voyez comment je suis en train de faire tourner là? Je suis en train de faire passer là. Jusqu'au moment où vous allez tomber sur, voilà, le ministre, l'ambassadeur et le ministre Mabiala. Voilà, on est là. Hop. On est là. Louvounou. Ils ont bien écrit quoi? Ils ont bien écrit quoi? Acquisition des terres agricoles en République du Congo. Acquisition. Définition. Définition. Google. Définition du mot acquisition. Louvounou. Voilà, définition du mot acquisition. On est là. Résultat, ça y est là. Acquisition, nom féminin. Acquisition, nom féminin, attendez. Fait d'accueillir, d'obtenir des biens, des connaissances. D'obtenir, non? Alors, quand on obtient, c'est que c'est à toi. Oh, le vounoumi yibi. Donc, acquisition des terres agricoles en République du Congo. À chaque fois dans la vidéo, il faut que la terre au Péra. Pourquoi il y a une sanité? L'ambassadeur Théoneste Moutier Dachaka a rendu une visite de courtoisie à SEM Pierre Mabiala, ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé de la relation avec le Parlement de la République du Congo. Leur échange était centré sur l'obtention des titres fonciers, des terres octroyées par le gouvernement congolais au gouvernement rwandais. C'est pas clair? L'obtention des titres fonciers, des titres fonciers, des terres octroyées par le gouvernement congolais au gouvernement rwandais. C'est pas clair là? Est-ce que ce n'est pas clair? C'est clair! Je viens spécialement, regardez, gaillardement, je viens spécialement vous demander les actes de terres que le gouvernement congolais a donné à l'État rwandais dans le cadre de la coopération sud-sud, comme son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, a mis en avant le développement de l'agriculture. Le Rwanda est prêt à travailler avec le Congo pour le développement de l'agriculture, a indiqué l'ambassadeur Théoneste Moutier Ndachaka. SEM, Pierre Mabiala, ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, lui a rassuré son entier engagement afin que ces titres fonciers soient obtenus dans les meilleurs délais. Alors, Miyibi, des voyous comme ça. Tata, bonsoir. Et il croit que non, nous, on va céder, on va oublier, ouais, des bandits comme ça. Hein? Oh non, ce n'est pas vendu. Non, ce n'est pas ceci. Non, on n'est pas des enfants. On va prendre les demandes. Merci. Je vais prendre déjà les demandes. Et puis je continue à lire. Merci les frères. Prenez-moi les demandes. Le libérateur, juste, je finis juste vite fait le message du ministre. Le ministre, merci pour les cadeaux, merci. Merci. Merci, Vianard pour les cadeaux, merci. Merci mon cher Vianard pour les cadeaux. Donc là, on lit vite fait. En sortie d'une audience qui lui a été accordée par le président de la République, le ministre rwandais des Affaires étrangères
et la coopération internationale a intervenu de façon malheureusement sur la polémique créée et entretenue. Selon lui, par des groupes politiques, alors c'est déjà fou, hein, par des groupes politiques congolais pour s'attaquer au président de la République et à ses réalisations. Combien de réalisations, combien de bilans, je ne sais pas. D'entrée de jeu, nous disons que les Congolais connaissent le bilan du pouvoir de Brazzaville et n'ont pas besoin d'attendre l'agenda caché de la coopération entre le Rwanda et le Congo pour le faire. Merci. Concernant le problème des terres, on peut dire qu'il s'agit là d'un mensonge d'État. Ce qu'il faut retenir, c'est que les manigances des gouvernants rwandais et congolais sont mises à nu. Il faut signaler que, premièrement, l'accord controversé entre le Royaume-Uni et le Rwanda est mort avant la mise en application par les travistes après leur écrasante victoire aux législatives. Deuxièmement, le ministre rwandais croit pouvoir semer la confusion en désavouant l'ambassadeur rwandais qui avait rencontré le ministre congolais des Affaires foncières exactement le 27 juillet 2021 pour lui demander des actes fonciers que le gouvernement congolais avait donnés à l'État rwandais dans le cadre de la coopération sud-sud. Cette information a très bien été relayée dans le site officiel du Rwanda, le média en ligne, les Échos du Congo-Brazzaville, l'agence d'information de l'Afrique centrale. Ce n'est pas du tout très sérieux et l'on doit se méfier de ce genre de partenaire. Exactement, monsieur le ministre. Ça, c'est Clément Mirassa qui écrit. Nous devons méfier, on doit se méfier de ce genre de partenaire. Qui ment? Voilà. C'est l'ambassadeur ou le ministre rwandais qui ment. Point d'interrogation. Est-ce que c'est le Rwanda, c'est le ministre ou c'est l'ambassadeur? Batalo Kuta. Voilà. Qui annonçait sur la chaîne de télévision nationale rwandaise qu'une délégation des hommes d'affaires rwandais avait visité le Congo du 4 au 8 mars 2024 et a découvert les deux terrains d'une superficie cumulée de 980 km² que le Congo a offert au Rwanda. Jamais de la vie. Et qui sont devenus la propriété du Rwanda. Les Congolais ont découvert l'enthousiasme avec lequel les Rwandais projettent de venir y cultiver du maïs, du soja et du piment. Ce ne sont pas les opposants congolais qui ont fait ce genre d'annonce. Merci, monsieur le ministre. Ce qui précède illustre clairement que la coopération entre le Rwanda et le Congo est problématique et va poser beaucoup de problèmes. Merci, monsieur le ministre Clément Mirassa. Non à la vente des terres, non à la cession des terres, à la cession des terres sous quelque forme que ce soit au Rwandais. Voilà. Oui à l'annulation pure et simple de tous ces accords. Les gouvernements congolais doivent tirer de façon claire les conséquences de cette position qui est très claire. Les Congolais refusent d'apporter un soutien multiforme et surtout financier au Rwanda pour lui permettre d'entretenir la guerre entre la République démocratique du Congo et de continuer à massacrer les paisibles populations à l'est de la RDC. Clément Mirassa. Merci, monsieur le ministre. Tout est clair. Tout est clair. Toboyinabisoba, Rwandais. Toboy. Voilà. À toi, mon frère. Le libérateur, à toi. La parole, mon cher ami. Enfin, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, Blanchard. Ouais, bonsoir. Blanchard, on tient un commentaire, mon corps, le non, les contrats, ça va s'annuler en décembre. Qu'on dit qu'on croit, bah, toi, Nadine. Même pas, t'as même pas un centime. Ne te fie pas leur dire, oh non, ils avaient 2 ans pour venir s'installer, pour voir si ne se manifestent pas, les contrats vont s'annuler directement d'ici 6 mois. Qu'on croit que, bah, côté, c'est des mythomanes.
Ne Trop. sont pas bêtes. Pour moi, bien n'a ni voir, comment on appelle ça, site internet et ambassade à Rwanda. C'est eux-mêmes qui ont rédigé. C'est pas nous qui leur Exactement. avons commandé. Et un Exactement. ambassadeur, peut-être Batbaye Baraté, ambassadeur a représenté un président à Namboka où il a installé. Il ne fait rien de lui-même. Makamba Zosala, l'action les a dirigés effectivement par rapport à un gouvernement naïf, par rapport à la terre, parce que Namboka place ou pas placé. Ce qu'on a le I, c'est que Exactement. l'ambassadeur, c'est l'instrument du président, c'est le représentant d'un président, Namboka. Exactement. Donc ça veut dire que ce que Makambo va commis jusqu'aujourd'hui.